Eh bien, bonjour à tous, c'est Sahagoun. Et aujourd'hui, bah, comme vous pouvez le voir, c'est pas du Mass Effect 3, c'est pas du Mass Effect 1 non plus, c'est du 2, de toute façon, il y a une chance sur 3, donc c'est pas très dur. Pourquoi donc? Parce que j'ai envie de tenter autre chose. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire des petits. De changer un peu les vidéos de. Ouh, mais il n'y a plus personne! Ah, bah ça doit être après alors. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai envie de tenter petit let's play. Bon, je vais pas vous faire un let's play complet, mais je pense que une petite mission de temps à autre. Donc, si vous avez des choses à proposer, des petites missions, des trucs que vous avez envie de revoir, vous me le dites. Y a pas de problème. Donc voilà. Donc comme vous avez pu le. Enfin, vous pouvez le voir, c'est le projet Suprématie, DLC que j'ai jamais fait. Donc on va voir ce que ça donne. Je l'ai acheté tout pour vous. Alors j'espère que ça va vous plaire. Alors on m'a dit aussi qu'il était assez long. Enfin, en prenant son temps, apparemment 2 heures. Ah, le codex. Conseil d'aller voir le codex du site MES, qui est bien. Voilà, et j'espère que celle-là, elle y est là. Ça c'est pour Lala. Donc voilà. Donc je pense vous faire ça en plusieurs parties. Voilà, petite partie de 20-25 minutes, maximum 30. Voilà, ça fera entre 3 et 4 parties. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Alors mes copains, bon, on va prendre lui. Et on va prendre Grant. J'adore. Donc voilà. Hop. Vous voyez, hein, j'ai pris un Shepard, tout ce qu'il y a de plus classique. Je me suis pas pris la tête à vouloir le changer et tout. Franc-tireur. Je crois que j'ai pris Héros de guerre, il me semble. Me semble-t-il, ou Stellaire, je sais plus. Enfin bref. Conciliant à fond. Un petit peu pragmatique aussi. Faut pas déconner. Bon voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ça, on va garder ça. Ça, hop. On va prendre celui-là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, on va changer. J'ai pas testé celui-là. Bon, on va prendre ça au cas où. Alors, mon Grunt. Grunt, non, on va lui mettre ça. Et on va lui mettre une arme de bourrin. Voilà. Je sais plus dans quel pack c'était d'ailleurs ça. Argus, il me semble. Bon, peu importe. Voilà. Bon. Alors, comment ça se passe? Ça, c'est de l'arrivée. D'accord. Ok, mec, il dit même pas. Oh, ils ont ramassé dans leur ganache. Oh, ça a dû faire mal, ça. Ils sont cuits, les mecs. Oh, c'est mignon. Oh, le mec il dit même pas bonjour ni merde. Bon. Alors, je vais fouiller, hein. Donc j'espère que vous avez du temps. Je vais fouiller. En même temps, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'avez pas grand-chose à faire en plus. Ah, mais on peut passer par là. D'accord. Ouais. Homme trouble. Ok. Oh là là. Et on.
carnage ici ou quoi? Ah. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Sans déconner. Détruisez l'antenne à l'intérieur de la parabole. Il y a une navette au niveau inférieur. Allez-y le plus vite. Ça c'est moche. Ok. Oh là là, c'est quoi cette ambiance là? J'ai rien compris. Bon. Ok, c'est glauque hein quand même. Alors on va poutrer du guette. On va poutrer du guette. Bagarre ! Poule ! Par où on va là? Aïe. Mais eux non. Allez, recharge. Pour un guette. Enfin, pour un méchant guette, du moins. Ouais! Arme lourde! Ok, ok. Alors, pour les besoins de la vidéo, je me suis mis en facile. C'est. Voilà. Parce que j'ai pas envie de recommencer. Ou soit. Donc, en facile, ce sera mieux. Aïe aïe aïe. Aïe. C'est un petit peu trop bourrin là quand même. Bon, semble pas, dis donc. Ok. Crédit. Ah, une petite musique. Attends, une petite musique. Ah bah y'a plus de musique. Ah si. Je sais pas si où. Oh là, elle fait un peu la tronche la musique par contre. Je sais pas si vous l'avez entendu. Oh! Oh, toi, t'as ramassé, toi! Oh! Oh, c'est violent, ça! C'est plus un coup du lapin, là. C'est... C'est un truc qui a fait mal. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va être juste. C'est pas grave, jeune Jules Blut. On va s'en occuper. Oh là là, ça me fait penser au Léviathan un peu, l'ambiance là, avec des morts. Enfin non, il n'y avait pas de morts dans le Léviathan, mais un truc un peu glauque comme ça. Ah. Ça, ça pue ça. Oui, oui, j'arrive. Laissez-moi faire le plein, j'arrive. Ah. Darmas. Hop. Toi aussi t'as ramasse. Aïe. Ah, je l'avais pas vu venir celui-là. Salaud. Message urgent du projet Suprématie pour le commandement de Cerberus. Nous avons subi une brèche de sécurité catastrophique et nous demandons votre assistance. Ok. Coordonnez-vous par les communications externes sur courrier. Alors. Ah, ça fait une grande coupette hein, quand même. Oh, c'est joli. Non, c'est sympa ça. C'est sympa. On peut
pas monter par là. Non. On peut pas passer par là. Allez, cours! Cours! Rien. Soldat d'élite. Cours pas longtemps, pépère. Ah! Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est que cette sulfateuse là? Gilbert Montagnier! Oula! Oh, il a tout perdu, merde, on voit pas. Là, mange. Oh non! Alors, je sais pas si comme moi ça vous saoule les trucs comme ça, mais moi ça. Qu'est-ce que ça m'a gavé? Oh là là! Truc que j'aime pas ça. J'espère pas me déchirer surtout. Sinon, ça serait un peu la honte. Voilà! Sésame, ouvre-toi. Oh, ça pue ça. Oh oui! Oh, il est bien la musique! Vachement bien la musique, dis donc! Je vais essayer d'écouter un peu la musique. Ça sert à rien. Est-ce que je peux le faire voler? Ah, on va voir. Ouais, c'est la classe. Bon, c'est une bonne chose de fait. Bon. Bon, alors cette vidéo n'a aucune prétention, hein. Je pense que vous l'avez déjà tous fait, mais bon. Ça change un peu de ME3, ça change un peu. C'est sympa. J'avais envie de le faire. Ils ont leur propre condensateur. Essayez de les faire exploser. Ok. Ow. Rien. Non, je vais pas faire ça. Oh si. Oh, oh c'est ridicule. Un aussi gros truc pour un si petit boom. C'est naze. Non. On peut plus faire ça quand même. Oh là. Oh là là. Il apprend à viser. Et il parle pas les mecs là ou quoi là? Ben je sais pas, il parle plus ou quoi là? Oh là, je ramasse. On va changer d'arme. Oh là, il nous a fait un truc là. Voilà. Bon, pas terrible hein. J'ai bien fait de me mettre en facile hein. On refasse la main. Boum, badaboum, boum. D'accord. Sans déconner. Yamakasi! Par ici. Même pas mal. Mais qu'est-ce qui se passe ici? L'homme joue avec des choses qu'il dépasse. Venez, je vous expliquerai. C'était l'arrivée de l'homme mystère.
c'est beau ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on continue encore un peu. Je vous suis reconnaissant, commandant Shepard. Même si rien n'est encore fini, vous nous avez fait gagner un peu de temps. Mais t'es qui, toi? Qui êtes-vous, déjà? Docteur Gavin Archer, directeur des recherches de ce complexe, et sans doute le dernier survivant. Vous nous devez des explications. Il s'agit du projet Supremacy, une tentative de prendre le contrôle des guettes via une interface homme-IV. Les résultats ont été... peu satisfaisants. D'accord. Où est-ce que ça a coincé? Mon frère David s'est porté volontaire pour l'expérience. Mais son esprit n'a pas supporté la connexion avec l'IV. Il agit comme un virus maintenant, infectant nos réseaux et prenant le contrôle de toutes les technologies qu'il peut y trouver. C'est pour ça qu'il fallait détruire la parabole à tout prix. Imaginez s'il parvenait à envoyer son programme dans la galaxie. Comment prend-il le contrôle des équipements électroniques? C'est une intelligence hybride d'un genre totalement inconnu. J'ignore où s'arrête l'homme et où commence la machine. Quel est le pire scénario envisageable? Une apocalypse technologique. Chaque arme, machine ou ordinateur pourrait se tourner contre nous. S'il accédait à Extranet, qui sait jusqu'où cela pourrait aller? Bah, fallait peut-être y penser avant quand même, hein. Vous auriez pu y penser avant de lancer cette expérience. Personne ne pouvait prévoir toutes les possibilités, personne! Et certainement pas l'abomination que David est devenu. David... L'IV s'est retranché dans le laboratoire principal de la station Atlas. Elle est sous confinement. Mmh. Oh, il est gentil, Grunt. Pour y pénétrer, vous devez contourner les mesures de sécurité manuellement via les stations Prométhée et Vulcain. Mmh. Comment fonctionne le confinement? C'est une procédure de sauvegarde d'urgence. En temps normal, il faut l'accord des trois directeurs de projet pour lever le confinement. Il ne doit plus rester grand monde. Mais il ne reste plus que... Voilà. Je peux donner mon autorisation, mais vous allez devoir réinitialiser les deux autres vous-même. Et si jamais je dois tuer votre frère? Espérons que vous n'aurez pas à en arriver... Bah, bien sûr. J'ai une question à vous poser. Est-ce que la présence de votre ami risque de poser problème? T'inquiète, Popiette. S'il y a bien un guet dans toute la galaxie qui ne peut pas être contrôlé, c'est bien lui. Ne vous en faites pas. Je vais vous croire sur parole. Alors, qu'est-ce que c'est? Parlez-moi des stations Prométhée et Vulcain. La station Vulcain est notre centrale géothermique. Elle fournit nos quatre avant-postes en énergie. La station Prométhée est une épave guet remplie de machines inactives. Nous les utilisons pour nos expériences. D'accord, ok. Sachant que ça va être vite actif après. Qu'est-ce qui se passe sur cette station? C'est la station Hermès, notre lien de communication avec la Grande Galaxie. Si vous n'aviez pas détruit la parabole à temps, les conséquences auraient été catastrophiques. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a mal tourné? David s'est porté volontaire pour fusionner avec l'IV et lui donner une conscience propre. En théorie, tout devait bien se passer, mais... En matière d'intelligence artificielle, le risque zéro n'existe pas. Alors vous n'auriez pas dû essayer. Et si vous n'aviez jamais essayé de trouver les moissonneurs, commandant Shepard, que serait-il advenu de la galaxie? Il faut parfois ignorer les risques. C'est bien vu. Que pouvez-vous me dire au sujet de la station Atlas? Atlas est notre laboratoire principal. C'est là que nous conduisons toutes nos expériences sur les IV. Une fois le confinement levé, ce sera votre dernière étape. C'est aussi là que mon frère est devenu cette chose. Ouais, bon, allez. Je vais y aller. Les autres stations se trouvent toutes à une distance raisonnable. Bonne chance, commandant. Ouais, mais c'est pas toi qui y vas, hein? Évidemment, on fait appel à Chuck Norris. Bon. Ah, ils sont encore là, les cercueils. Ah, ils sont là, mes copains. Quittez la zone. Ah! Bon. Eh ben, bah écoutez, on va se quitter là. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir la suite, bah faites-le moi savoir, parce que bon, si je vous présente ça, c'est pour que ça vous plaise quand même. Puis bon, pour essayer de changer un peu les habitudes, de vous proposer quelque chose de différent. Si ça vous a plu, dites-le, je continuerai la suite. Si vous avez des idées de mission, bah proposez-les, il n'y a aucun problème. Au contraire. Voilà. Je pense que c'est tout. Bon bah on se retrouve pour. Allez voir la prochaine station, je sais pas laquelle ça sera, mais
On verra bien. En tout cas, ça a l'air d'être pas mal. Ça me plaît. J'aime bien l'idée de la chose. Enfin voilà. Bon allez, salut tout le monde, à plus tard.